Poi parlo di Suisse, vediamo se... Era qui, bene, con te come scala, ma con te come sta, un peu come on veut. C'est assez libre, eh? Mais bien fixé en tout cas, et parti ici. Ça c'est pour Yoko au carré. Eh? Mais aussi, en tout cas, on faisait Van de Waal. Van de Waal faisait bien ça. Il attrapait ce col, et il passait son bras en moulinet pour venir chercher un peu comme on a fait tout à l'heure. Tombe pas, tombe pas. Une position pour ça. Et puis il partait ici, Yoko au carré. L'avantage, c'est qu'à l'arrivée, ça n'aura pas pris. Et vous pouvez remonter dessus. On est dans la famille de mobilisation, si vous voulez. Hein? S'il n'y a pas d'époque. Hein? Voilà, donc on ne lâche pas. On va essayer un peu Yoko au carré. Avec deux façons. Deuxième façon, envelopper le bras, venir chercher le sou. La main droite va pousser devant l'épaule, c'est mieux. Envelopper, on sait comme immobilisation. Hein? Je fais les deux, après on essaye. Il me prend ici. Droite, gauche, ou gauche comme on veut. Ça peut être au-dessous aussi. Et maintenant gauche, droite. Gauche, droite. Deuxième, enveloppez, prendre le col. Et partir direct ici. Oui, monter. Hein? Voilà, on essaie de faire avec Yoko Wakari sur le. Voilà, vous prenez côté du bras là. Pour Uranage, tout à l'heure, je reviens un peu à Uranage, hein, parce qu'il y en a qui refait Uranage. En prenant côté là, si vous prenez côté, là, il ne peut pas faire Uranage. Pour Uranage, il faut monter sur son épaule là. Donc sur l'épaule et prendre dans le dos. Et garde ici bien la monnaie sur moi. Ça c'est bien. Mais si vous ne pouvez pas, s'il est très grand, mettons par rapport à vous, vous ne pouvez pas prendre sur l'épaule, alors on peut prendre dans le dos. Mais là, il ne faut plus faire Uranage, il faut faire beaucoup à ça. C'est-à-dire, ma jambe, je vais prendre la jambe dans la sienne, je fais un peu du bout d'ailleurs, voilà. Là, c'est pareil. Un, deux, trois, on ne parle. Et là, ici. Ça, c'est vous qui voisin. Je suis sur le côté à la fin. Je ne suis plus comme ça. Tout à l'heure, pour Uranage, c'est moi sur tous mes voisins. Ou qui voisin, c'est l'opposé du voisin, c'est côté. Voilà, donc on peut faire un petit voisin en prenant le côté. Également, là vous avez fait 1, 2, 3, comme pas tout seul, c'est un peu voilà. Et maintenant, ma tête avance ici, et il va tomber côté gauche de mon corps. Ici, côté gauche, ça c'est un petit voisin. Mais si maintenant je fais ça, au lieu de prendre côté 1, 2, je prends 1, 2. Au lieu de chasser latéral, je chasse vers le bas, et je prends dessus. Et maintenant, je peux aussi passer derrière lui, ici, comme ça, en tirant ici. Et il y a, en même temps, mon corps passe, mais je me tire sur lui. Ce qui fait qu'il y a des équilibres avant. Et puis je prends derrière la cuisse, là, il va, je vais. Ça, c'est aussi vous qui vous avez, avec ma tête qui passe par l'extérieur. Ma tête passe extérieure. Vous voyez, j'en avais cette sauce. Mais tu peux la passer au ralenti. Quand il vient m'attaquer, 1, 2. Puis 3, 4. Ça, ça marche très bien aussi. Ça se fait donc à la saisie du premier kata. C'est intéressant de travailler, mais c'est ok pour qui voit ça aussi. Bon, je voulais, on va terminer si vous voulez avec une dame. Quand l'adversaire a les deux bras raides, c'est de la poitrine, deux bras raides ici, j'en veux pas rentrer quoi que ce soit, on va voir aussi possibilité de prendre dessous avec ma main gauche, un quart de croisé ici. Comme ça. Et puis maintenant, mon poing va passer entre ses deux bras, et je vais me placer sur le côté pour aller chercher son genou. Donc là, il faut... Et là, simplement, tomber l'arrière, je sais. Alors là, attention pour les chutes, parce que si vous faites très fort, on roule un peu, on part un peu sur la nuque, vous avez fait quand même à contrôler un peu, et celui qui chute doit bien rentrer la tête. Parce que là, la nuque, on prend un coup. Voilà, donc ici, on est dessous, et passer ici, on vient chercher la jambe ici, puis pas partir. Et puis simplement ça, on tombe sur le dos. Ça c'est première forme, ça. C'est Sukuinage, on appelle Sukuinage aussi. Le Teodoshi. En face, on appelle le Teodoshi. Non, d'accord, on appelle le Sukuinage. Alors, prenez ici. Un, deux, trois. Je vais chercher. Il y a la fin. Bien sur le dos. Bien sur le dos. On peut faire aussi ça, passer le bras derrière le bras. On va terminer en travaillant un peu ça. Avec mon coude qui vient dans son dos ici. Coude qui vient dans son dos, mais mon bras ne passe pas derrière la jambe. Et mes deux genoux, les deux genoux sont imbriqués ici. Là, je décide. Ça, c'est s'autogaquer. Un s'autogaquer. Accrochage extérieur. C'est pas trop s'autogaquer.
1, 2, 3. Et là, faut pour gâter. Si le pouce avec le bras, soukouinagé. Et les croisés de la façon. Alors maintenant, je ne serai plus sur le dos, je suis sur le côté. Je fais comme soukouinagé. Mais ma jambe va chercher. Deuxième talon. Vous avez vu, ma jambe glisse derrière ces deux talons. Et là, je pars sur le côté. Je fais ça en avançant. Ça, c'est Tani Otoshi. Tani Otoshi. Bon, alors tout ça, je vous ai dit, on le fait sur tes petits carrés bras plus durs qui vous tiennent comme ça, parce qu'on peut passer ici. Mais ça peut se faire aussi à la volée, comme ça, si vous ne tenez que le côté. Hop, ici. Je chasse. Avec des gammes à papier, comme ça, je chasse ici. Hop, ici. Ça peut se faire dans beaucoup de circonstances. Là, pour terminer, je voulais proposer sur un coup de très dur, quelqu'un qui vous tient avec deux trois raides, vous n'avez pas à la tremper, dessous, ici, voilà, ici, comme ça, alors, ici. Les derniers gauchis, c'est glisser derrière, regardez bien, en poussant, et j'arrive au côté. Les deux premiers, j'arrive ici. Le troisième, j'arrive ici. Et en fin de quatrième, mon bras va passer sur sa ceinture. Mon bras, au lieu de descendre chercher la cuisse, on va passer 5 pulls. Et là maintenant je repars comme ça. Ça c'est maintenant Yoko Guruma. Hein? On repart sur la barre. Ça c'est bien surtout si il résiste sur le premier. Ici. 1, 2.